Tu as passé la commande du gâteau? Mm-hmm. J'ai passé la commande là hier. J'espère que c'est la couleur que moi je t'ai dit là. Oui, je devais changer la couleur. Pourquoi? Tu sais, bavarder encore dans mes oreilles. D'accord. Parce que je sais que tu es katakata. Si elle ne veille pas, tu vas te gamer. Et les bougies, tu as pris les bougies. Ah, j'ai pris les bougies. Et... tu vois, tu t'es... ça fait bizarre. Tu te rends compte que depuis que nous sommes ensemble, c'est ton premier anniversaire qu'on m'a fêté. Oui, ce n'est même pas mon premier anniversaire, toi et moi. En fait, c'est mon premier anniversaire tout court. C'est que c'est toi qui es venu avec les histoires de fêter l'anniversaire dans ma vie, non? Moi, avant ça, je ne fêtais rien. C'est l'amour, non? Parce que quand on vient commencer notre relation, donc je disais que comme je suis au lycée, je suis au collège, ça ne va pas donner. Ils vont pleurer. Non, moi, comme j'étais dragué là, je ne veux plus draguer quelqu'un d'autre. Donc, toi et moi, on va aller même à l'université. Quand on va avoir le bac, on sera toujours ensemble. À l'université, quand on va avoir la licence, on va se marier. Je suis qu'à l'université, tes idées ne vont pas changer. Rien, aucune idée ne va changer. D'accord. Oui. Voilà, comme tu parlais de lycée et collège, là, j'ai appris que vous êtes en avance là-bas par rapport à physique. Les cours de physique, vous êtes en avance par rapport à nous. Mais c'est normal, non? C'est pour ça que notre pension est plus chère que la bonne. Pardon, demain tu viens avec ton cahier de physique, non? Okay. Donc, comme ça, il faut copier les cours. Ok, d'accord. Tu sais que tout ce qui est à moi est à toi, non? C'est juste nos parents. Ton père fait alors beaucoup, hein? Ouais. C'est même quel genre de vie, ça? Avec tous les diplômes que j'ai, trouver le travail, c'est dur. Même mes derniers 25 que j'avais, on a foiré au Njambo. Je suis obligé de me couper les ongles avec le couteau. Mon reste de nourriture, on a mangé. C'est même quel genre de vie. Oh! Mais tous les jours, les mêmes. Tu te lèves le matin, c'est la même chose. Je suis sûr que si j'attrape quelqu'un aujourd'hui, je vais verser ma colère sur lui. Ok, n'oublie pas le cahier de physique là demain, non? D'accord. Okay. Tu n'as rien oublié. Quoi? Oh, va là-bas, va devant ton grand frère. Oh! Vous faites quoi? C'est mon camarade. Ton camarade de quoi? Ne bouge pas! Je vous ai dit quoi? Je t'ai dit que je voulais plus te voir avec lui. Tu fais quoi avec elle? Je t'ai dit qu'elle ne veut plus te voir avec ma soeur. Vous faites quoi ensemble? C'est mon camarade, non? Ton camarade de quoi? Vous faites la même classe? On compose souvent dans le même centre d'examen ensemble. Les examens, c'est maintenant? On se familiarise. Passe comme ça. Passe! Regarde-moi celle-là. J'étais dit qu'elle ne veut plus te voir avec les voyous. Descends! En courant. Toi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que je voulais plus te voir avec ma petite soeur. Bonjour, le grand Teke. Grand quoi? Grand frère, en fait, c'est qu'on était en train de marcher, non? Et puis nos chemins se sont croisés. Donc, on était sur les lignes parallèles. À un moment donné, les lignes sont devenues perpendiculaires. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés. Viens, je vais t'aider à tracer la tangente. Viens. C'est pas moi. Hein. Viens. C'est pas un problème que j'ai. Descends comme ça. Parallèle, perpendiculaire, c'est tout. Descends. Descends, c'est là. Ouais. Je t'ai dit quoi? Tu m'as dit que tu ne veux plus me voir avec elle. Et tu fais quoi avec elle? Tu marches avec elle pour aller où? J'étais en train de rentrer déjà chez nous, hein. Tu peux pas rentrer seul? Gang, je suis en train de partir chez nous comme ça là. Aujourd'hui, c'est même mon jour de laver les assiettes. Donc, si je ne pars pas maintenant, je suis. Mais tu me connais même. Mets-toi à genoux. À genoux? Mets-toi à genoux. Ça va, je me mets à genoux. C'est comme je vais écrire mon nom sur toi. J'ai dit que je vais écrire mon nom sur toi. Pardon, grand. Je ne veux plus te voir avec ma soeur. D'accord. On est d'accord? Tu m'as dit ça, gang. Lève-toi. Lève-toi. Je suis debout, je me lève. Ok, on va faire un truc. Je te donne 3 secondes de bagarre. Si tu restes debout pendant les 3 secondes, je te laisse tranquille et je te donne ma soeur. Gaffe, moi, je n'aime pas beaucoup les challenges. Même pas les vacances là. Tu ne pourrais pas me voir challenger vacances. Je fais quoi là-bas? Tu ne peux pas challenger et tu fais quoi donc avec ma soeur? Ouais, gaffe, C'est même qui ça? Takam, tu fais quoi avec ma soeur? Rien, grand frère, rien. Attends, on va vérifier ça. Hey,
Tu vas encore marcher avec ma soeur? Non. Diane! C'est quoi ici? C'est ta qualité de gars ici? Il est fou à l'école. Donc si on fait la bagarre, il peut te défendre avec l'école. Toi-même, l'école t'a amené où? Tu parles comme ça à qui? Je te parle, tu me réponds. Je suis ton grand frère. Hein? C'est même qui ça? Je vais te finir dans la maison si. Hein? Tekam, je connais où tu vis. Je te vois encore avec ma soeur. C'est même qui ça? Attends, je vais m'occuper d'elle. Tu qui as les chambres au village, je ne peux pas partir te laisser avec elle. Tu parles comme ça à qui? Hein? Ouais, désolé, c'est à cause du prof de physique, non? Lui, là, quand on a sonné, là, il a dit qu'il prend encore 30 minutes. Il dit que comme c'est bientôt la fin d'année, là, il veut finir son programme avant la fin d'année. Et tu ne peux pas finir? Moi, j'ai fait le cours d'anglais. La femme a bavardé ces choses là-bas, je ne comprenais même plus. Et comme on a nos coutumes habituelles, comme on rentre ensemble, là, non? C'est que j'aime rentrer avec toi. Quand je marche seul, là, quand je rentre seul, c'est comme si les démons de mon village me poursuivaient. Alors. Je ne savais pas que tu allais m'attendre. Surtout avec ce que ton grand frère a dit la dernière fois, là, il a commencé à me gronder. J'ai cru que ça allait influencer ton point de vue sur les choses. Oui, Takamite a dit que c'est le chômage qui gère mon grand frère. Depuis qu'il a eu sa licence, là, il manque quoi faire. Comme il a raté sa part d'éducation, il veut rattraper chez ma part. Alors, regarde, Diane, c'est pas que j'ai peur de ton grand frère. J'ai pas peur. Il ne me fait pas peur. En réalité, si on bagarre même, c'est moi qui vais le taper. Bon, c'est vrai qu'il a un peu les muscles là. Il a même beaucoup les muscles. Et du coup, ça joue en sa faveur. Mais ce n'est pas la peur. Le truc, c'est que c'est le respect. Moi, je le respecte. Moi, quand un aîné parle, il faut écouter ce que l'aîné dit. Du coup, moi, je me disais, par rapport à l'anniversaire qu'on veut faire samedi là, si c'est, je ne veux pas qu'il débarque là et tout ça là, mieux on annule ou alors on reporte. Parce que sinon, on aura les problèmes et tout ça. Je dis, Takam, tu sois avec mon frère, tu sois avec moi. Ça veut dire que ça, non? Tu rentres souvent avec moi ou tu rentres avec mon grand frère? Okay. Est-ce que moi, il marche avec ton grand frère? Tu me fais bisous ou c'est à mon frère que tu fais souvent bisous? Moi, il fait bisous à ton frère. Je t'ai donc demandé de laisser mon frère ou là. Est-ce que lui-même, il ne sort pas avec les soeurs des gens? Hein? Cet anniversaire-là, on va le faire. Bon, on part. Ouais, regarde, attends. Je ne veux pas qu'il débarque là et il gâte tout. Tu sais qu'il est souvent nerveux là et tout ça là. Tu vois? Est-ce qu'il va commencer à dire, regarde ce qui se passe. Tu es en classe d'examen. Hein? Si c'est que tu échoues là, on va commencer à dire que oh, j'ai pris ta tête, j'ai emballé et tout ça là. Il va commencer à se placer devant les parents et dire que non, c'est le délinquant qui vit là-bas, qui lui a appris des mauvaises choses. C'est vrai, c'est moi qui t'ai appris les mauvaises choses. Mais je n'ai pas envie qu'on commence à dire ça partout, à toi et à travers. Je dis à Jacques, tu sais combien de fois mon frère échoue au lycée. Donc chaque après deux classes, il échouait. Donc sixième, il échouait. Quatrième, il échouait. Seconde, il échouait. Terminale, c'est ta terminaison. Terminator, il a fait la terminale 10 fois. Donc c'est même le lycée qui les chassait comme ça, comme bonbon au campus. C'était à cause d'une femme. J'ai dit que samedi, on va faire cet anniversaire. Avec son aval ou pas. Donc samedi, j'arrive vers midi comme ça là. Je prépare tout. Tu sais que c'est la première fois que j'ai vu que nous sommes ensemble en fait ton anniversaire, non? Donc monsieur, je confirme ma présence samedi à ton anniversaire surprise que toi et moi, on organise. On y va. C'était comment au lycée alors? Ah, j'ai failli taper une fille. Hein. Pourquoi? Elle m'a mal regardé. Oh, tu sais comment elle m'a regardé. Tu regardes mal, tu veux taper les gens. Elle a lu. Mais bon, comme l'amour me calme souvent là. Depuis, j'écris même à la matinée que je gère à Douala, la reine ne me répond pas. Il faut que je tente avec celle de Yaoundé. Si elle peut écrire, là ce soir on va se faire un truc. J'ai même besoin d'argent. Tu fais quoi? Je veux pas anniversaire ma copine. Madame va où? Je veux pas anniversaire ma copine. Quel anniversaire? J'ai dû faire son anniversaire aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est maintenant que tu me dis ça? J'ai appelé maman, je lui ai dit que pas ton anniversaire. C'est maman l'homme de la maison. Tu ne sais pas qu'ici c'est moi qui commande? C'est mieux de me dire que tu vas à l'anniversaire de Takam. Tu crois qu'elle ne suis pas au courant de tout?
Là-bas, il n'y a pas l'anniversaire de Takam. Takam, c'est qui? C'est mon ami. Reste là-bas. Je vais te casser tes jambes ici. Hein. Elle me dit, je pardonne à l'anniversaire de Takam. Ah, madame a laissé ses cheveux comme pour moi. L'exemple vient du haut, non? Donc, si elle te tape, tu me tapes. J'essaie. Peu importe l'endroit où tu dois aller, je dois te donner l'autorisation. Je suis l'homme de la maison. On est d'accord? Non, non, c'est quoi? Épouse. Rentre là-bas! Épouse même une femme, tu la tortures aussi, non? Épouser une femme pour faire quoi? Il y a deux choses à faire avec les petits soeurs des gens. Hé, passe là-bas! Rentre là-bas vite. Si je me lève ici, ça va mal se passer. Déla! Rentre là-bas vite! Regarde-moi celle-là. Je parle et me répond. Je te mets à quel niveau sur mon message. Je ne veux plus t'entendre là-bas dedans. Elle va me trahir chez maman. Elle va me trahir chez maman. Attends, j'ai mon dossier, j'ai besoin d'argent. Bonsoir très chers camarades. Bonsoir. Bienvenue et merci à vous tous qui avez répondu présent. Pour s'il y en a qui ne le savent pas, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et donc Diane et moi, on s'est dit que comme depuis que je suis né, je n'avais pas encore fait l'anniversaire, c'était bien que, comme elle est déjà dans ma vie là, qu'on fasse mon anniversaire, et c'est un plaisir de vous compter parmi nos invités. Donc, je ne saurais commencer sans remercier mes parents qui ont permis qu'on organise la fête ici, et on va passer un bon moment, on va s'amuser et il y aura le tout d'honneur, oui. Et B, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Tu avais quelque chose à dire aussi? Bon, je vais juste réitérer tes propos, vous signifier notre joie de vous compter nombreux dans cet événement heureux. Merci de m'accompagner dans ma belle famille. C'est la maison de mon père, oui. Bon, il a fallu de peu pour qu'on ne puisse pas organiser cet événement, cet anniversaire. J'ai dû combattre avec les démons de ma famille, le malin. Vous savez, l'homme noir est ennemi du progrès. Mais comme l'amour triomphe et brise toutes les barrières, on dira, les jaloux vont maigrir. Merde. Depuis là, les enfants d'aujourd'hui, elles cassent carrément la fenêtre pour aller voir son gars à son anniversaire. Je suis fatigué. Hein. Il faut au moins 3 heures de temps que je cherche la fille là. Petit. Oui, grand. C'est comment? Ça va, grand. Il n'y a pas une fête quelque part dans le coin là? Je sais pas, grand, mais depuis le matin, j'entends l'odeur du poulet et du poisson. D'ailleurs, j'ai même vu quelqu'un descendre à la palette de jus chez les Takam. Takam, hein? Allons, tu me montres. Je compte même faire un tour là-bas, grand. Marche! Avance. C'est là-bas, grand. Où ça, là-bas? Oui, grand. Ok. Merci, petit. Mais...
est-ce que vous pouvez vous lever pour m'accompagner et chanter joyeux anniversaire à mon amour? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Encore toi? Je t'ai dit quoi? Grand frère, c'est mon anniversaire. Tu es sorti par où? Je suis sorti devant toi, tu m'as pas vu. Donc tu es invisible? Qui a cassé la fenêtre? Le voisin. Quel voisin? Je t'ai dit quoi? Grand, tu as demandé à ce que je ne vienne plus chez vous. J'ai dit que je voulais plus te voir, ma petite soeur. Tu as d'abord dit qu'il ne vient plus chez vous. C'est ça. Tu fais quoi avec ma soeur? Tu as dit qu'il ne vient plus chez vous, non. C'est ce que j'ai respecté. C'est l'anniversaire de quoi? On va voir l'anniversaire. Là, toi, viens ici. Viens. Marche. Tu vas confirmer pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Tiens! Tiens! Ça me surprend pas. Sans cesse, moi je perds, mais toujours ils parlent.